sera utile. Ah, l'éclipse. Je ne capte la présence d'aucun focus à cet endroit. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien toute seule, en route. Merci. Je vais me débrouiller toute seule. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Ah, la nécropole. Dans l'ombre d'un démon de métal. Super. Attention en bas. Il y en a aussi à l'intérieur. Elle va nous attaquer.
Tiens-toi. Temps de jeter un œil à cette pièce. Figé dans la glace et le temps. Ça va pas être simple d'obtenir une victoire pérenne cette fois. Contact dans 30 secondes. Hé, on sait que ce mec a eu le temps de terminer vos séances. Que tu captes ça, Silence? Silence? Silence, tu captes ça? Qu'est-ce que c'est? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. Opération Victoire Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé.
Je garde ça pour plus tard. Opération Victoire Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. Opération Victoire Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. Doucement, doucement!
Je descends vite. Les soldats dormaient. C'était quoi cet endroit ? Rappelez, on m'a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne « Toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle ». Considérez-vous comme prévenu. Et amusez-vous bien. Silence, tu captes ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. Journal. Troisième bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15e, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'ordure. Merde. L'océan était en feu. Les meubles étaient... en métal. Ce truc était... Ça devait pas être très confortable. La première vague de robots était arrivée couverte de déchets enflammés. Il va avoir l'habitude. Ça nous a laissé un peu plus d'une heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule sa trajectoire. On les a attirés sur Terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus, on a passé le réseau à l'IEM. Les procédures habituelles, quoi. La dernière fois que je suis allé en Californie, j'avais... 5-6 ans. Il y avait une lumière comme ce filtre photo qu'on voyait partout dans les années 40. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. En 4 mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi ? 20 largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest, je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à « Voici une AED, si tu vois un robot, tire dessus ». Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la 6e BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent, mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Hope Zero le temps nécessaire, et tout redeviendra comme avant. Je sais que ça fait plusieurs jours. Désolé, chérie. Les déploiements sont... de plus en plus long et de plus en plus dur. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et... il faut qu'on fasse tout le boulot des disparus. C'est comme une entreprise familiale en crise, mais... c'est pas ma famille. Je suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir. De voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir. Quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. La seule raison pour laquelle je me bats, c'est... toi. Pour qu'Hope Zero puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Kalmar. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant 3 semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des baraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Plein d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Hope Zero, comme si on en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça,
plus on ressemble aux robots. Sauf qu'ils en apprennent à chaque combat. Alors que non, j'en suis pas sûre. Un seul lit. La chambre de leur chef, peut-être. Une lumière rouge. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. Une interface holographique. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Une information utile.
câble, trois sources. En voilà une. Savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie. C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Michael Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Et de deux. Encore une. Ça a marché. Si j'en trouve d'autres, je pourrai accéder à l'armure.
devant l'ombre. C'est déjà plein. J'aurais dû prendre un chariot.
Descente rapide. Je me sécherai plus tard. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelis ravageurs. Je combats aux côtés des civils, des mecs et des nanas batailleurs. On forme une belle équipe. Avec la 6e BRM, on a descendu un Horus. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut juste qu'on laisse un peu de temps au projet Hope Zero. Ames, je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On l'est tous ici. On a été déplacés à 10 km de la côte, par précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je peux garder un œil sur Andras et Reggie. On ne sait jamais quand et où tu combats. Mais quand les Adaf passent dans le ciel, les enfants leur font des signes. Je crois en toi. Je sais que rien ne sera plus jamais pareil. Mais je crois en toi. Je crois en nous. Ames, je ne sais même pas si tu es encore en vie. Les messages que je reçois, ils disent qu'ils sont de toi. Mais ils ont l'air recyclés. Des bouts de phrases à coller. Et tu ne parles jamais des nouvelles que je te donne. La zone de confinement, les recycleurs d'oxygène, les émeutes inter. Ce qui s'est passé dans la bulle de Dallas, Ames, ce n'était pas les robots. Ils ne me donnent même pas de réponse claire. Quand je les somme de me dire si tu es en vie. Ils disent que si tu continues d'envoyer des messages, ça veut dire que tu es opérationnel. Ce n'est pas juste, Ames. Ce n'est pas juste que tu ne sois pas avec moi quand tout s'éteindra. Je t'aime. C'est si triste. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelis ravageurs. Je combats aux côtés des civils, des mecs et des nanas batailleurs. On forme une belle équipe. Avec la 6e... Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis désolé. Les déploiements sont de plus en plus longs et... on doit tous faire notre part du travail. C'est comme une entreprise familiale. Mais je te vois dans les yeux des gens d'ici. Ils étaient contents de nous voir. Ils avaient encore de l'espoir. Bilan de situation. 9e brigade de riposte mécanisée. Lieutenant Fiona Morel au rapport. Le moral de l'unité est de plus en plus affecté par les missions de combat contre le fléau Pharo. En particulier, quand lesdits combats ont lieu dans des secteurs dont les combattants civils ont subi des assauts intenses. L'étendue... et la nature des dommages subis par la garde civile et les civils non armés de ces zones sont indescriptibles. Et ce spectacle suscite un sentiment général de désespoir au sein de l'unité. C'est pourquoi je demande à nouveau que les déploiements de la 9e BRM soient temporairement recentrés sur les bâtiments essentiel à la mise en place du projet Hope Zero.
C'est une carte. Une fois de plus. Une carte, mais de quoi ? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça ? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaons se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment ? Je suis trop chargée. L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Faites attention ! Celui-ci bouge.